I'm ready for you. Bring it on! Que tu crois, mon ami, que tu crois. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. C'est Alex The Blood Cat qui vous retrouve pour une petite séance de gameplay sur Street Fighter 4. Alors, ça va être très dur de commenter et de jouer en même temps parce que vous savez, si vous connaissez le jeu, que Street Fighter 4 c'est un jeu ultra technique. Et je vais essayer quand même de pas me faire rétamer. Voilà, tiens, tu prends un Shoryuken. Alors il faut savoir que je joue Ken, hein, le mec en blanc. Oh non, non. Et vas-y, je me prends un ultra dans la face. Voilà. Bon, je vais peut-être réussir à coller le mien, non? Oh non! Oh non, c'est inadmissible. Alors je suis en difficulté normale, je joue contre l'IA. Et je sais pas si je vais aller sur le live en fait, parce que ce serait carrément honteux. Tiens! Oh la vache. Oh là, non! Comment il m'arrête? Oh non! Alors, toi... Je peux te spammer que avec ça, hein, si tu veux. La vache. Ouh. Dragon, tiens. Hop là, je t'ai raté ton ultra et je te balance un Rodoken. Et voilà. Eh bah punaise. Bon, troisième manche, troisième round plutôt. Décisif. Et pas défi vif. Tiens, déjà toi. Hop là. Voilà, lui c'est fait. Oh non! Oh la vache, comment je l'ai évité. Voilà, par contre ça, j'ai pas pu l'éviter. Ouh! Oh non! Voilà. Oh, si je peux te terminer avec un ultra... Ouais! Pam, 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 pam! Et boum! Voilà une bonne chose de faite, Dan aura compris qui c'est le patron. Voilà. Donc il faut savoir que mon niveau s'arrête là. Hein. En difficulté moyenne, je pense que je me fais rétamer direct, même par l'IA. Ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit défi. Alors un défi survie, ouais, non, pas difficile, non. Normal, donc voilà, vous voyez que j'ai déjà validé les deux premiers niveaux. On va faire le niveau 3 et on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Alors j'ai pas débloqué tous les personnages, hein, comme vous pouvez le voir. Gouken et Akuma c'est très dur, et 7 encore plus. De toute façon 7 c'est un perso cheaté. Et on va prendre qui? On va prendre Camille, tiens. Camille en blanche, parce que le blanc c'est beau. Ça salit pas en plus. Et faut tenir le plus longtemps, enfin pas le plus longtemps possible, mais avec le plus de vie quoi. Ah j'ai mes ultras. Ah bah c'est bien. Ah attends, c'est quoi déjà son ultra elle? Ah voilà, c'est comme ça. Tiens! Oh non, je l'ai raté. Ouh. Alors son super combo, je sais pas comment on le déclenche. Ah! Il m'a mis le focus. Oula. Voilà. Bon. En même temps, ça se voit que je suis contre une IA facile parce que... Blanca, si on sait le maîtriser, on peut être redoutable avec. Et moi, je maîtrise pas encore totalement Camille comme je devrais le faire. Oh la vache. Alors elle flirtait, il est très rapide. Mais moi aussi je le suis. Voilà. Une petite chop. Ah non, une focus. Ouais. J'ai confondu les touches. Si on peut le finir en ultra. Voilà. Ça c'est fait. Smash up. Voilà. Ça fait plaisir.
Ça m'étonne que je l'ai pas fait avant ce défi là. En même temps je joue pas super souvent à ce jeu. J'ai décidé de m'y remettre et puis pourquoi pas de vous proposer une petite séance de gameplay. Ah, ce niveau il est super, il est magnifique. Alors par contre contre Zangief, ça va être ouh. S'il fait sa corde à linge là. Ah non, il me fait une chope, d'accord. Tiens, je te colle déjà mon ultra dans la face. Ça va te calmer. Et je t'enchaîne. Et je te fais un spin around. Ah, le canon strike qui marche pas. Oula. Je te permets pas. Et focus. Voilà. Eh ouais, je suis trop fort mon gars. Tu peux pas test. Ah, je me lâche là. Je me lâche, en plus Camille c'est un perso super dynamique. Je me débrouille très bien avec elle. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Apparemment pour... Oula. Pour l'IA ça a l'air d'être suffisant. Si je me fais pas enchaîner par lui parce que Balrog... Voilà, il est très rapide aussi. Ultra dans ta face. Voilà. Et je te KO. Non. Bon. Et ben je vais te foutre KO autrement. Ah ouais, tiens. Voilà le super. Je l'ai fait mais au pif. Hein. Je sais pas quelle combinaison j'ai fait mais apparemment ça a marché. C'est bien, ça a remonté toute ma vie au max. Alors je sais pas combien j'en ai encore de combats à faire. On verra bien, de toute façon je... Pas de limite de temps pour cette vidéo. Je fais ce que je veux après tout. Si j'ai envie de vous faire une vidéo très longue sur Street Fighter, hein. Tant donné que... Oh la vache. Ah, Rufus. Tiens. Oh la vache, mais... Voilà, le canon strike complètement... N'importe Nawak. Ultra. Et là t'es KO là. Oh, presque pas. Bon, allez, focus pour te finir. J'aime beaucoup la focus attaque, surtout quand l'ennemi se relève. Et après quand il est par terre, tu peux l'enchaîner quoi. Enfin lui foutre un coup de pied, je sais, ça serait fair play de le laisser se relever, mais bon. C'est un petit peu la tactique à la Aquaire. Oh non. Alors Honda c'est un des persos que j'aimais bien jouer dans Super Street Fighter 2 Turbo. Non pas Super, juste Street quoi. Street Fighter 2 Turbo que j'ai sur Super Nintendo. Un jeu que j'ai hérité de mon grand frère avec la console. Il me l'a donné parce que il n'en a plus besoin en même temps. Il a une vie de famille, hein. Il a plus la tête à ça, on va dire. Et toi tu me fous déjà. Et il avait ce jeu-là avec Starwing, seulement deux jeux sur sa Super NES. Et il me les a donnés. C'était super sympa. Et j'aimais bien jouer contre lui à Street Fighter 2 Turbo. J'aimais bien prendre Honda parce qu'il fait les 1000 mains, tout ça là. Mais dans ce jeu là, je trouve qu'il est moins rapide et puis il y a des meilleurs persos quoi. Par exemple Camille qui est vraiment super comme perso. Je crois qu'elle est apparue dans le Super Street Fighter 2 justement. Avec les super combos, de toute façon Super Street Fighter... C'est toujours du super par rapport à la version standard. Alors en parlant de super, je suis pas intéressé par la arcade édition là qui rajoute Oni, Vilryu, tout ça. Parce que je trouve que ça fait beaucoup trop de persos. Donc après quand il y a trop de persos, moi ça me plaît moins. Ouh la vache. Je pensais pouvoir passer en dessous de ces boules de feu à lui. Fais ton ultra. Ah bon bah non. Je fais pas mon ultra. Dalsim aussi j'aimais bien le jouer dans Street 2. Mais là dans celui-là il est super lent. Super lent. Ah Vega, finesse. Un perso que je détestais là encore. C'était un des parmi les boss de fin. De toute façon c'est un des hommes de main de Bison. Tiens.
Ah, j'ai l'impression que c'est le dernier combat parce qu'il y a la musique de l'intro. Oula. Alors Vega, tu vas te calmer, hein. Bon, je te fais perdre tes griffes et ton masque, voilà. Voilà, boum, KO. C'est assez facile. C'est assez facile. Alors, est-ce qu'on a fini? Oui, on a fini. Voilà, j'ai obtenu un nouveau titre. Pas de nouvelles illustrations? Oh. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça, c'est fait. Ce sera plus à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein, riche en action, riche en combat. Un fan s'est glissé dans la foule. Ah bon? Voilà, j'espère que pour vous qui jouez à Street Fighter 4, vous prenez toujours autant de plaisir comme moi j'en prends à jouer à ce jeu, parce que c'est vraiment un super jeu. Et on va finir avec ouais, un combat voilà normal. Termine en beauté, je vais prendre Crimson Viper. Un perso qui est très bien aussi, mais que je maîtrise pas autant. Et on va se battre contre... Oh non, je vais pas... Ah bah non, c'est décidé. Au hasard. Ah bah Ken, bah voilà. Un petit match pour finir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Allez, à plus. Oh! Will the tide of battle turn? Fight! Hadouken! Shoryuken! Et j'en ai pas fini avec toi, mon salaud. Oh! Oh non! Bon, eh ben tant pis.